Me voici également en compagnie de Mohamed, des anges de la télé-réalité 4. Bonjour Mohamed, comment vas-tu? Bah bonjour, je vais bien, merci, et vous? Ça va, impeccable. Citoyen, je pense. Ouais, bah ouais, quand même. Alors en fait, t'es avec Moussé Tombola ce soir au Chacana. En effet. Pour quelle occasion t'es venu ici en fait? Bah, je suis venu ici parce que j'ai un ami qui connaît Monsieur Tambola. Et donc là, il m'a demandé de venir assister à son showcase. Donc voilà, donc ça m'a permis de le rencontrer. Donc voilà, puis j'avais envie de les rencontrer aussi. Donc voilà. Donc toi, tu danses depuis l'âge de 4 ans, c'est bien ça? Non, pas depuis l'âge de 4 ça ans. Ça fait 4 ans que tu danses, non? Non, je danse depuis l'âge de 10 ans en fait. Depuis l'âge de 10 ans, plus ou moins, je faisais plus ou moins des acrobaties, tout ça. Et au fil des années, en fait, j'essaie de me diversifier dans les chorégraphies, dans le breakdance. Et ce qui fait qu'en fait, jusqu'à maintenant, j'ai acquis pas mal de choses, tout seul et avec un groupe qui s'appelait Extreme Force Crew. Qui n'est plus à l'heure actuelle. Et donc voilà, donc maintenant voilà, tout ce que je sais faire, je l'ai appris tout seul et voilà quoi. Quel est ton but dans ce domaine? Tu veux percer dans la danse? Tu veux danser pour. Bah, disons qu'avant en fait j'aurais souhaité faire des grands battles de breakdance et de faire voilà comme Lilou, voilà tous ces gens qui ont été titrés champions du monde, tout ça, vraiment faire que dans la battle. Mais maintenant j'ai un nouveau but en fait, c'est de me diversifier dans la danse, donc de faire du jazz, du contemporain, du rock, éventuellement de la dancehall, reggaeton, kizomba, bachata, vraiment pour être complet. Et puis pourquoi pas danser dans des clips, faire de la scène, danser aussi pour faire des spectacles ou des comédies musicales, mais vraiment dans du haut niveau quoi. Donc je fais tout pour y arriver, donc voilà. Comment ils ont été les autres candidats de cette émission? Bah, les autres candidats étaient comment ça, ils étaient comment au niveau comportement? Ouais, parce que voilà, se retrouver avec des personnalités qui ont fait des émissions de télé, voilà, c'est pas facile peut-être. Bah, se retrouver avec des personnalités, c'est vrai que bah, j'appréhendais vachement le choc de rencontrer des gens qui ont déjà fait de la télé-réalité, mais pas plus que ça. Donc ouais, j'appréhendais vachement parce que voilà, ils ont déjà fait de la télé-réalité et moi non. Donc voilà, donc c'est vrai que je savais pas comment m'y prendre, je savais pas comment ça allait se passer. Donc j'avais pas un peu peur, mais j'avais un peu le trac. Mais bon, ça s'est super bien passé. Et quels sont tes projets pour les mois à venir? Bah pour l'instant, je peux pas trop en parler, mais bon, il y a des projets en cours et puis j'espère que ça va aboutir. Allez, balance de l'info quand même. Comment? Balance de l'info, balance des exclus. Bah, il n'y a pas trop d'infos ni d'exclus parce que c'est tout frais. Donc après, moi, j'ai rien à dire sur ce sujet-là. Ça fait pas très longtemps que je suis rentré d'Hawaï. Donc voilà, il y a des projets en cours que j'essaie de mettre en place. Et comme on dit chez nous, Inch'Allah, j'espère que. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est très important. Si Dieu le veut, j'espère que ça va aboutir. Et voilà, je m'efforce avec mes moyens. Et voilà, on verra. Mais je vous garantis qu'il y a du lourd. Eh ben, je te dis merde pour la suite alors. Bah, merci beaucoup. Et j'espère te voir dans les clips de grands artistes internationaux. Bah, je l'espère aussi. A très bientôt, je te remercie. Je peux venir aussi à ton anniversaire, s'il te plaît? Ouais, je t'invite aussi, voilà, ouais. Le scène. Oh. Oh, bah, faut pas de trucs comme ça. Ah, tu viens avec Moussé Tombola, alors? Bah, pas de voilà. Problème. Samedi pas 2 problème. Juin, la Villa Grouissant, l'incroyable anniversaire de Dorian de Boulle, voilà. Il y a aucun souci, je serai présent si éventuellement j'ai pas de clip, ni de scène, ni au coach. Ouais, tu seras là, il y a pas de problème. Problème. Ouais, bah, je t'en remercie, à la prochaine.